c'est Victor Hugues Valéry, directeur général Sésame. Et j'ai noté annoncé et dans la conférence de presse, nous avons fait la semaine dernière là, et loi censée arriver et jeudi mardi, qui 4 juin 2024 là, au niveau du réservoir Mon Calvaire, côté que le réservoir est plein pour nous capables d'assurer la distribution de l'eau et d'ici demain, si Dieu veut, s'il n'y a pas de contrariété. Il faut que nous disions que, j'ai noté pour mettre là, de l'eau était supposée, là, depuis hier lundi 3, depuis hier lundi et 3 juin. Et, mais malheureusement, pendant que nous avons fini le travail, nous avons fait toute une semaine, nous avons fait plusieurs opérations en OA, plusieurs réparations, et là nous venons laguer de l'eau dans dimanche, pour le réservoir était plein, et dimanche soir, pour nous décalaguer effectivement dans lundi matin. Mais malheureusement, nous devons voir nos contrariétés, puisque il y a des individus mal intentionnés au niveau de... dans la section, dans la zone côté de l'eau sortie, qui c'est Gilbert, et négocié et fait intervention sur le captage là, côté au boucher de l'eau. Il a fermé, il a bouché de l'eau, et puis bon, van encore, et il a frappé à roche. Il a venu réduire van là, qui vient faire que de l'eau lui-même n'est pas de pression nécessaire là, n'est pas de une quantité de l'eau qui pourrait descendre la ville là, pour être capable d'arriver au niveau du réservoir. Mettez sous ça tout que il y a plusieurs côtés et c'est l'aide de l'eau qui nous vient identifier, il y a plusieurs autres côtés encore qui a baillé de l'eau, il y a un côté toujours au niveau de localité Mouroa qui a baillé de l'eau, il y a un côté toujours au niveau de Dermoulin et qui a baillé de l'eau que nous gagnons pour nous intervenir sous yo qui pour réparer. Donc côté ça yo tout autant yo pas réparé. Donc nous pas bien quantité de l'eau normale pour nous gagner hein, pour nous capable assurer service en gens pour nous assurer là. Donc nous avons continué le travail, donc nous accompagner avec les autorités et spécialement le commissaire gouvernement et M. Vincent François, et puis nous accompagner avec une équipe notable au niveau de 4e section qui bat nous le bras pour nous capable et qui était capable de faciliter l'intervention nous en haut dans la zone. Donc nous avons continué le travail pour nous capable et augmenter et les capacités de production nous, et c'est-à-dire tout côté gain gaspillage pour nous camper et pendant que moun qui te gain de l'eau pour servir a continuer vendre l'eau pour servir, mais côté TPTO qui a gaspillé dans la rue, gaspillé dans la rivière, gaspillé et al dans jardin, côté ça il a fermé pour que nous capable renforcer et quantité de l'eau qui vient dans la ville là pour nous capable et retirer moun dans ville Sema qui dans en calamité non tête chargée pour de l'eau depuis 9 mois et pour nous capable retirer dans ça là. Donc un gros coup de chapeau et pour le commissaire Vincent François et pour nos tables au niveau de 4e section qui accompagne nous, et un gros coup de chapeau tout avec l'équipe Sésame, dans toute l'équipe là qui travaille toute la journée, presque toute la nuit, pour être capable et faire que de l'eau arrive ou disponible encore dans le robinet abonné. Merci en pile.